problème pays loc j'avais retiré pas encore mettez pas mettez nous dans situation l'homme de dans sud on t'a construit route ça même j'ai avec route Saint-Jean du sud pour aller à Bakou route moun k'ap viv de moi toute route ça était dans programme non mais pays loc du fait vu le cas élevé le point du fond jour m'a connu coup du fait aujourd'hui équipement yo nous t'obligez dans veiller yo équipement boulé dans 160 millions équipement dollars équipement acheté il y a environ 8 millions de dollars équipement qui boulé parce que il y a des monde qui yon a pou maclot moi même me dis nous ça chaque monde qui dans politique dans pays a surtout frère Maxime qui dans opposition yo roche là des bande tout même pas prendre coûte roche blanc m'a lever roche m'a quitter la terre m'pa la pou me roche m'pa jamais faire ça parce que me connais que cette mafia criminelle d'État qui monte dans le pays pour monter nous rendre contre l'autre, qui va nous tuer des salines dans la mafia aujourd'hui, moi-même m'en fasse. Et m'en donne même que vous venez en face. Parce que c'est lui-même qui empêche le pays à gagner courant. C'est lui qui empêche le route. C'est lui-même qui empêche le bloc pour le monde. C'est lui qui empêche le l'école construite dans toute section communale du pays. C'est lui qui empêche le centre de santé, l'hôpital construit à travers tout le pays. C'est lui qui empêche le reboisement fait dans le monde. Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé, pas oublier d'abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie de l'équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous ne pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Station pompage Tabor 68 là, fini entièrement. Structure ça doit permettre une amélioration dans la distribution de l'eau dans la zone métropolitaine, nan, spécialement dans Delma, Silo, Gérald Bataille, Oudfrère, Peigny et Vivi Mitchell. Ministre PTCA, Joaseus Nader, dit satisfait de l'effort qui fait pour permettre à la population de jouer une bonne qualité de l'eau dans le robinet. Station Pompage-Sa pour alimenter le réservoir Vivi Mitchell à 2000 m3 de l'eau chaque jour. La pour alimenter le réservoir Silo à 3000 m3 par jour. Ce groupe Soeco qui a exécuté le projet ça, li implique tout 8 forages dans Peigny à Croix des Bouquets. Directeur général d'INEPA, Guito Toussaint, dit un projet même genre qui pral réaliser dans divers autres coins. Pour président Jovenel Moïse, mise en place station pompage Tabor 68 là avec réservoir Vivi Mitchell là, c'est un gros pas qui franchit dans 4G fort administration l'a fait pour améliorer conditions vie population. Projet ça joint financement Banque Interaméricaine de Développement, l'hypothénon programme de l'eau potable et assainissement Port-au-Prince 3. D'après responsable, c'est un projet qui était fini depuis en janvier 2020, mais a subi conséquences instabilité politique et phénomène pays local. À notre arrivée à la DINEPA le 5 avril 2017, après y avoir passé 8 années, nous avons établi comme boussole une démarche plus logique de bonne gouvernance sectorielle, à savoir l'incitation à la performance, la promotion d'une culture axée sur les résultats palpables et objectivement mesurables, et ensuite la reddition des comptes. Les travaux prioritaires que nous avons ensemble aujourd'hui constituent un exemple vivant de nos réalisations. 16 000 m3 d'eau additionnelle par jour disponible au niveau de Mariani, 34 000 m3 d'eau disponibles au niveau des 8 forages de la Croix des Bouquets et de Pernier, interconnectés entre eux à l'aide d'un tunnel appelé forage horizontal dirigé en dessous de la rivière Grise à une profondeur de 20 mètres. Avant de vous donner quelques-uns de nos exemples en termes de réalisation sectorielle, permettez-moi de vous dire que la situation de la DINEPA, à l'instar d'autres pays de la région, est compliquée sous plusieurs angles. Prenons-en quelques-uns. Tarissement accéléré de nos principales sources émergentes captées en raison du stress hydrique et des constructions anarchiques en amont de ces sources. 2. Intrusion saline dans la nappe phréatique de la plaine du cul-de-sac
comme faisant partie des sources hydriques dont la DINEPA n'assure ni la gestion, ni la politique, encore moins la maîtrise. Au regard de la loi, ce rôle est attribué au ministère de l'Environnement. 3. Habitat dispersé, ce qui rend l'eau difficile le plus près possible de certaines couches de la population, surtout en milieu rural ou périurbain. Sabotage des réseaux dans certaines zones en période de protestation. Vétusté des principaux réseaux hydrauliques, en particulier le réseau de la région métropolitaine de Port-au-Prince, vieux de plus de 40 ans, à laquelle vétusté s'ajoute les dégâts causés par le séisme du 12 janvier 2010 sur ces conduites hydrauliques, dont la plupart sont en fonte victime. 6. Faible recouvrement. 7. Dépendance à l'égard de nos bailleurs de fonds et aux partenaires techniques et financiers. 8. Assujettissement aux politiques et aux procédures des bailleurs au regard des accords de dons international signés par le ministère de l'économie et des finances au nom de l'État haïtien. 9. Faible contribution du trésor public au secteur de l'eau potable et de l'assainissement en dépit des efforts consentis par l'actuelle administration Moïse Joly. Tout cela, loin de nous en plaindre, est pour vous donner une idée du décor des défis auxquels nous faisons face et que nous devons relever ensemble dans l'entente cordiale et dans l'esprit de collaboration permanente. Nous le disons encore, dans l'esprit d'équipe et de collaboration permanente. Leur Excellence, chers invités, nous avons fait le plus grand pas dans l'élaboration d'une politique globale du secteur hydrique inscrite dans le plan hydraulique et d'assainissement national PHAN, dont la présidence de la République a été l'instigatrice, tournée autour de la maîtrise et de la gestion des eaux de surface. Je ne connais pas les discours que le président de la République va tenir aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration des infrastructures hydrauliques de Tabar, Mariani, Pernier et des Croix des Bouquets qui vont se dérouler ici ce matin au réservoir de Vivi-Michel à Frères. Cependant, je connais la vision du président de la République pour le secteur de l'eau potable et de l'assainissement qui n'est pas différente de celle de l'énergie électrique. Sa vision, c'est d'améliorer l'accès à l'eau potable pour tous, sur tout le territoire national. À défaut de voir l'eau couler dans les robinets de tous ceux qui vivent sur notre territoire, notamment les Haïtiens. Dans les villes comme à la campagne, de manière progressive et résolue, à un coût raisonnable pour les utilisateurs. Son Excellence, maintenant nous présents dans l'espace SAR, pour inaugurer un pile d'infrastructures qui gagne pour la réalisation du projet d'eau potable dans quelques zones dans la région Port-au-Prince, Delma, Carrefour, Tabac et Latry. Mais pas comme discours on va le prononcer. Dans l'occasion, mais moi connais vision gagnée pour secteur ça. Vision qui chita pour rendre chaque grain haïtien jeune bon jan d'eau cap couler dans robinet la caillou. Dis-le pas, dans l'action la mener dans le secteur, il veut réaliser un pile gros infrastructure, un pile. On se garde là ensemble. Tant qu'on construction réservoir, réseau hydraulique, station de pompage, avec l'autre infrastructure qui montrait gros changement dans le secteur. Mais permettre aux populations d'avoir accès tout bon vrai à l'existence importante, ça a été un gros défi pour le gouvernement. Pas l'air sous le temps du président Abdis encore. C'est une façon pour nous deux présidents, marchandisant, pas connu,
mais il a livré. Parce que si nous avons tout instructif, la cause de la dit là, la population en l'eau sont simples formalités. Et tout le monde qui compte domaine, pour ça va me dire. Mais on regarde, en plein 21e siècle, la population, dans quelle ville Port-au-Prince, vous avez bien dit, la population dans quelle ville Port-au-Prince, toujours dans grosse difficulté pour joindre un bon kit de l'eau dans la dignité. Dans le quartier Bélé, Delmadé, Solino, Nicamo, pour citer ça seulement. C'est avec la peine, les maps gardées, stratégie, même toute qualité, l'âge, à utiliser pour prendre l'eau, qui a coulé dans un tuyau, bon canal pour mettre la caillou. Pourtant, gros projet, pile en pile l'argent à dépenser en domaine ça. Président, c'est même genre. Ouais, gros travail, on va faire billet pour des paix. Vous faites gros central. Dans moins de 4 mois pour central, qui a toute population en courant. On va acheter 3 gros moteurs. On va faire réseau électrique. Mais si vous avez fait tout le travail, ça, vous ne prenez pas les mains, c'est la vie, mais si à terre. C'est le même bagage là qui est dans le pas. Ça te parle bien parce que mon cas acheté un camion de l'eau, un bouquet de l'eau, un gallon de l'eau, une bouteille de l'eau, un sachet. Donc, président, vous sautez dit, vous connaissez, vous parlez la veine, hier soir, nous presque fait 2 heures qu'on a parlé du développement paysan, nous oubliez de faire un bagage. Président, dans le cadre de déroulement du programme dialogue communautaire, nous avons promis à la population d'Elma Dea. On t'a balle de l'eau. Delma 18. C'est camion de l'eau, vous encore matin. Ni dans Bélé. Donc, nous devons dégager, non. T'as coupé Jean-Jacques, président. Sorgez dans tes toits pour nous faire le passé. Ce n'est pas seulement gros infrastructure, mais surtout, faire de l'eau couler dans le robinet, tout le monde. Président, dans le cadre de mon programme dialogue, tant coûte. En pile, j'aurais dit ça, président. Donc, nous devons passer tout bon. Nous poser bonne action. Nous satisfaction, monde qui pi bayou. Qui donc, monde qui pas acheter camion de l'eau. Dans ce sens, nous souhaitons, dans l'occasion de l'inauguration, nous avons ça. Monde Port-au-Prince, Cafou, Delma, Cité Soleil, Pétionville, Actaba, mais surtout, monde qui vivent. En dehors, j'ai un bon genre service dans ce secteur. Je prends plaisir à inaugurer ce matin ce grand système de production d'eau potable qui va desservir une partie de la région métropolitaine de Port-au-Prince. D'abord, je tiens à remercier notre partenaire, la Banque interaméricaine de développement, BID, qui a financé ce projet crucial pour les populations de Pétionville, Delma, Woodfrère, puis Blain, Vivi-Michel, Tabac et Gérald Bataille. Ces travaux cadrent parfaitement bien avec la politique du gouvernement de doter le pays d'infrastructures hydrauliques modernes. C'est d'ailleurs l'un des chantiers prioritaires de mon quinquennat 2017-2022. Cette nouvelle infrastructure hydraulique qu'on inaugure aujourd'hui a une capacité de production de 8 500 000 gallons d'eau par jour et répond à un besoin exprimé depuis longtemps par les populations de ces zones précitées. Un grand pas a donc été fait, même si nous sommes encore très loin du besoin total de la zone métropolitaine évalué à 450 000 m3 d'eau par jour. La seule ombre au tableau ce matin est que ces eaux proviennent de forages de puits. Nous avons de nombreuses rivières intarissables un peu partout à travers le pays. Elles jettent dans la mer des milliards de mètres cubes d'eau annuellement. Elles occasionnent des inondations et causent d'énormes pertes en vie humaine et en bien. Pourtant, le pays rencontre de sérieux problèmes pour fournir l'eau potable aux populations. L'eau ne manque pas. C'est la gestion qu'on en fait qui est désastreuse.
On a toujours tendance à considérer l'eau souterraine comme l'unique source exploitable pour la consommation humaine. On fait très peu cas des eaux de surface utilisées seulement pour l'irrigation des terres cultivables. Dans presque tous les pays du monde, je veux parler de nos voisins, plus près de nous, la République dominicaine, Cuba, des pays d'Afrique comme le Rwanda, pour ne citer que ces pays-là, utilisent depuis des décennies l'eau de surface pour la consommation humaine et industrielle. Malheureusement, nos bailleurs de fonds financent à coups de millions des études qui traitent de l'abondance des eaux de surface en Haïti. Le directeur général de la DINEPA vient de parler de l'étude que le gouvernement a fait à l'aube de mon mandat en 2017. Et nous avons identifié près de 26 rivières qui sont prêtes à prendre des systèmes de réservoirs. Malheureusement, une seule de ces rivières aujourd'hui a un réservoir dessus. Je veux parler de la rivière Marion, qui est en phase finale. Nous sommes à 96% de la fin des travaux pour inaugurer le barrage de Marion avec un réservoir d'une capacité de 10 millions de mètres cubes. Et ce réservoir va transiter près de 20 millions de mètres cubes par année sur 38 millions de mètres cubes que cette rivière a jeté dans le temps à la mer. Et la zone de Malfetti était inondée chaque année. Aujourd'hui, la construction du barrage sur la rivière de Marion permet aux gens qui habitent à Malfetti de ne plus connaître ces moments difficiles. Ces gens-là vivent aujourd'hui tranquillement. Et comme je viens de vous dire, 26 rivières sont prêtes à accueillir des barrages d'irrigation à travers le pays. Malheureusement, nos bailleurs misent sur l'exploitation des eaux souterraines qui pourraient apporter des solutions durables aux problèmes de pénurie d'eau dans le pays. Mais nous savons pertinemment que c'est faux. Et le directeur général vient de le dire parce que les nappes phréatiques ne peuvent en aucune façon apporter la solution aux problèmes d'eau potable que nous avons dans le pays. Le forage de puits doit se faire dans des zones dépourvues d'eau de surface. Nous devons protéger les nappes phréatiques du pays. La gestion et la maîtrise de l'eau de surface sont d'une importance capitale pour le pays. Je pense que le ministre de la Planification qui est là aujourd'hui va demander une rencontre en urgence avec les bailleurs qui investissent dans ce domaine pour qu'en 2021 nous pouvons démarrer avec certains travaux sur certaines rivières du pays pour alimenter ces réservoirs à travers les différentes villes du pays pour que la DINEPA, comme le ministre des Travaux publics vient de le dire, puisse trouver l'eau pour mettre dans les robinets des gens. Prenons l'exemple de la grande zone métropolitaine. Pour alimenter cette grande zone, nous avons deux principales rivières qui jettent environ 400 millions de mètres cubes d'eau à la mer chaque année. Je veux parler de la rivière Grise qui jette à la mer environ 125 millions de mètres cubes d'eau par année et de la rivière Moumance qui jette à la mer environ 185 millions de mètres cubes d'eau à la mer chaque année. Et il faut savoir que pendant la saison pluvieuse, ces rivières provoquent de grandes inondations. Quand nous parlons de 450
1000 mètres cubes par jour de besoin pour la zone métropolitaine, 50% de cette eau-là pourra facilement servir cette grande zone métropolitaine avec zéro forage. Et en termes de coût pour construire ces réservoirs sur ces deux rivières, l'expérience que nous sommes en train de faire à Mahoyo avec des techniciens cubains, le coût par mètre cube est de moins de 30 centimes américains par mètre cube. Cela veut dire construire un barrage d'irrigation aujourd'hui, si on fait ça en régie comme nous sommes en train de le faire à Mahoyo, ça va coûter environ, par exemple, les 10 millions de mètres cubes que nous sommes en train de construire, disons les 20 millions de mètres cubes qui vont être transités sur la rivière Mahoyo, vont coûter moins de 10 millions de dollars. Et si on prend le coût normal, qui est près de 70 millions de dollars, nous pouvons facilement comparer que l'État haïtien doit prendre le destin de la nation en main. Nous devons être à même de construire des barrages d'irrigation nous-mêmes sur les rivières de nos pays. Haïti, c'est notre pays. Nous n'avons pas de pays de rechange. C'est nous qui devons travailler. Je veux parler des cadres supérieurs ici présents. Nous devons travailler, prendre notre courage à deux mains. Les décideurs publics, moi, votre serviteur à la tête de l'État aujourd'hui, je prêche par l'exemple. C'est pour ça aujourd'hui. Nous sommes en train de construire un barrage sur la rivière Marion avec réservoir. Nous sommes en train de construire un barrage sur la rivière Latanerie, je dirais, de reconstruire un barrage sur la rivière Latanerie avec un système de dérivation, parce que comme vous le savez, la Grande Rivière du Nord jette près de 241 millions de mètres cubes d'eau chaque année à la mer. Nous allons dévier une quantité d'eau sur la Grande Plaine du Nord pour irriguer les terres de la Grande Plaine du Nord. Pourquoi, dis-nous pas, n'utilise pas aussi cette eau de la Grande Rivière du Nord? Le problème, c'est l'argent. Parce que les études sont là. Les techniciens cubains et les techniciens haïtiens, l'armée d'Haïti qui travaille avec nous à Mahoyon, tous ces gens-là sont là. Et il nous faut maintenant l'accompagnement de ces bailleurs qui dépensent de l'argent, je dirais, un peu dans leur sens. Il faut dépenser de l'argent dans le sens de l'État haïtien, dans le sens du peuple haïtien. Au rythme désordonné où on creuse les puits, on n'est pas loin d'une pénurie d'eau au niveau des nappes phréatiques qui pourra se révéler fatale pour les générations à venir. Je suis particulièrement sensible à ce désastre annoncé. Voilà pourquoi, lors de ma campagne électorale, j'avais toujours insisté sur la gestion de l'eau en général et celle des eaux de surface en particulier. Je n'ai jamais cessé de répéter cette phrase que tout le monde avait retenue par cœur. Mais terre, soleil là, glorieux, et mounions ensemble. C'est dans cette même logique que le gouvernement s'est engagé dans la construction de diverses structures et infrastructures dans le pays. Je viens de vous parler des barrages d'irrigation de Mahoyon, sur la rivière de Mahoyon, et de la Tannerie. Nous sommes en train de travailler aussi pour la construction d'un système de dérivation de barrages sur la rivière Massacre pour irriguer une partie de la plaine de Maribaro. Des systèmes de pompage à énergie solaire sont installés un peu partout à travers le pays. Par exemple, sur la rivière, sur le fleuve des Trois-Rivières, dans le département du Nord-Ouest, plus de 4 systèmes sont déjà installés et nous sommes en train de travailler avec le financement de la République Chine Taïwan pour installer d'autres systèmes, parce qu'il y a une possibilité sur le fleuve des Trois-Rivières d'installer près de 34 systèmes d'irrigation. Et avec l'installation de ces systèmes, nous pouvons facilement aussi apporter de l'eau dans les foyers. Ce n'est pas un vœu pieux. Nous pouvons alimenter tout le pays. Toutes les communes d'Haïti, toutes les sections communales peuvent être alimentées par
les rivières de ce pays. La volonté au plus haut niveau de l'État est là. Maintenant, il faut travailler avec les bailleurs pour changer cet aspect de la coopération. Parce que quand l'argent des contribuables étrangers sont en train de dépenser en Haïti, cet argent doit être dépensé dans le sens des dirigeants haïtiens. Parce que nous sommes... Nous sommes des gens, je veux parler du président de la République, des sénateurs, des députés, des maires, des Kazakhs, des Azakhs, des délégués de ville. Nous sommes des gens votés par le peuple haïtien. Nous avons fait des promesses au peuple. Maintenant, quand un bailleur est en train de dépenser de l'argent au nom du peuple haïtien, ce bailleur doit comprendre qu'aujourd'hui, les élus du pays ont leur mot aussi à dire. Et je pense que le ministre de l'Environnement, de la Planification, va travailler parce que nous sommes en 2021, mieux vaut tard que jamais, que la BID commence à comprendre, après avoir construit, nous donner la possibilité de construire toutes ces infrastructures hydrauliques. Maintenant, il nous reste une toute petite chose, c'est de commencer à construire des barrages sur les rivières. Et nous devons commencer avec le département de l'Ouest, la rivière Grise, qui inonde régulièrement la zone de la Croix des Missions. Et pourquoi ne pas construire un réservoir sur la rivière Grise, un barrage, je dirais, d'irrigation sur la rivière Grise, qui pourra irriguer la plaine du cul-de-sac, une bonne partie de la plaine du cul-de-sac, protéger la zone de la Croix des Bouquets contre les inondations et donner de l'eau, alimenter ces réservoirs-là en eau potable pour que la population de la zone métropolitaine puisse trouver de l'eau en quantité et en qualité. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Haïtiens, frères, Maxime, ça a vécu dans quatre pays et ça a vécu dans la diaspora. Gros système de distribution de ça, pas inauguré matin, il est entré dans le cadre satisfaction gouvernement avec les peuples là. Nous avons fait de l'eau pour le bois et pour l'utiliser la caille. Tout côté moi passé dans la zone métropolitaine, dans tout dialogue que nous faisons avec les leaders communautaires, il y a un problème qui toujours posé ces affaires de l'eau. D'ailleurs, le ministère de la République a dit là, c'est raison ça même qui ferme toujours invité directeur général d'INEPA pour lui entendre doléances mounio. J'aime bien toujours dire, il y a des services l'État de citoyens et qui entraînent quatre besoins primaires de la population. C'est rôle l'État pour mettre bon de l'eau propre, bon de l'eau potable au service de la population. Moun pas gain droit marcher sous plusieurs kilomètres pour aller chercher un bouquet de l'eau. Tout le monde devrait ouvrir la caillou pour rejoindre l'eau. Ce n'est pas un problème de l'eau qui vient. J'aime ce dire là. C'est un mauvais choix. Je veux dire avant de faire bon choix. Chaque année, il y a plusieurs milliards de mètres cubes de l'eau qui sont tombés dans la mer. Et le travail pour nous faire ça qui est plus facile là. Nous plonger tête baissée dans le fou et puis dans le pays. Ou même qui est dans la politique, il n'y a pas qu'à vous m'avoir, c'est la démocratie. Nous. C'est droit. C'est droit pour venir pour capable de demander des bagages qu'on veut pour le peuple. Mais ce n'est pas droit pour casser le pays. Ce n'est pas droit pour bouler le pays. C'est droit pour venir camper bon côté pour nous boumer contre l'oligarchie pourrie. Contre des gens qui comprennent que Haïti c'est pour eux. C'est droit ça. Et c'est avec eux que je m'a gouverné. Je m'a gouverné contre eux. Parce que eux-mêmes, ils sont victimes, même j'appelle ça. Ça veut dire, je dis, là, nous prenons des décisions pour nous casser tout ça qui coûte la population. Et nous prenons cela, nous voilà. Personne n'a qu'à empêcher nous. Parce que le peuple-là, c'est le bon pouvoir. Et le bon pouvoir pour nous faire. Je me répète, chaque monde qui connaît qu'on combat l'étape dans mon. Pas quitter ce que je viens chercher le. Parce que dans la dernière année, je viens chercher le très lève. Pour le bon message.
Contrôle maman parce qu'elle pas pour vous. Mais pas pour vous, vous net lui. Net lui, c'est peuple haïtien. C'est moun sa qui vivent dans l'arrière-pays qui n'a pas personne qui vous défendre. Moun qui vivent dans Botne Jean-Abel, moun qui vivent dans Grand Gosier, moun qui vivent dans Belance, dans Bénin, dans Kajakmel, moun sa yo, ça ici est avec nous. Moun qui vivent dans Valier, dans Montbécochu, moun qui vivent dans Capoti, moun Silvestre, moun Bois de Laurentio, moun sa yo. Moun a kill samedi, c'est moun même avec nous. Nous pas oublier. Nous pas droit abandonner parce que si nous devons construire un pays meilleur pour les haïtiens qui sont venus, c'est aujourd'hui pour nous commencer. Et pour nous commencer, il faut des gens qui ont courage dans notre pays. Des gens qui ne viennent persécuter personne. Des gens qui viennent persécuter sous développement misère. Des gens qui viennent dire que leur fouille est dans le coup de paix éternel ou dans le coup de Zakar, c'est pour couper. Parce que le coup de peuple à l'argent, peuple là, c'est pour respecter ça. Il faut pas prendre la donne. Et c'est pour ça, une petite occasion, comme dit tout le monde, ça fait dialogue là, permanent. Nous ne pouvons jamais suspendre par la foule, nous qui sommes dans l'opposition politique. Et dialogue là, c'est pour le fond. Je dis à nous, pas un dialogue de bois. Un dialogue de sourd, je dirais. C'est pour nous identifier, vers l'ennemi. L'ennemi peuple là, c'est l'ennemi pao. Pour qu'ils soient campés. Pour quitter des gens qui ont menti depuis 10 ans, qui ont enterré nous, qui ont tué le président, qui ont exilé le président, qui ont emprisonné le président, qui ont assassiné le président, qui ont léché le président. Et puis, nous avons c'est aujourd'hui, nous avons couru toujours. Le moment arrivé pour que voile ça tombe dans le pays. Pour qui ça fait 4 ans pour persécuter nous? C'est pour nous faire ça arriver dans le pays. Comme on dit le président, on laisse les persécuter les gens, c'est nous qui avons persécuté. Je ne vais pas sous-persécuter personne. Parce que je vais persécuter la misère. Je vais persécuter sous-développement. Je dis à Pamdou, c'est pour nous faire une chaîne de solidarité pour nous retirer le pays dans sa vie. C'est pour nous faire une chaîne de solidarité pour le pays avec l'autre constitution. Pour les Haïtiens qui viennent dans la diaspora, qui sont riches, qui viennent investir dans le pays. Ou qui viennent dire Haïti, qui est sécurité, ils ne sont pas venus. Et vous-même, vous avez 1 million pour là. Vous avez planifié la sécurité. Pour faire au peuple pour ne pas tourner. Mais diaspora comprendre. Nous voyons qui ça a été fait dans le mois de décembre. Nous prêchons nous par l'exemple. C'est gravier que nous sommes obligés de mettre pour diaspora dans le pays. Pas de jeunes qui parlent de développement pays sans diaspora haïtienne. Et là, pays en Afrique qui a aujourd'hui, qui s'en bat diaspora. Ça veut dire que les gens partent, ils ont le travail, ils ont étudié. C'est pour nous connaître pour nous reporter pour tourner. Le culte de la médiocrité, c'est pour nous suspendre ça dans le pays. Pour nous remplacer par le culte de l'excellence. C'est ça pour nous faire. Ça veut dire que les gens qui sont plus forts, les gens qui sont plus capables, c'est pour nous positionner dans le pays pour travailler, pour investir, pour nous capables de quitter un pays meilleur pour les générations qui viennent. Moi-même, je crois. Je crois que nous disons, matin, en pile vérité, frère Maxime qui est en opposition, comment arriver? Le peuple a compris tout le bagaille. Pas occupé, non. Le peuple a déboulé le pays, a même dit nous ça, c'est pas nous-mêmes qui avons fait le boulot. Nous servons avec nous. Nous faisons le peuple a boulé le pays. Je dis, nous qui servons avec nous, c'est pour nous faire suspendre parce que le peuple a lui-même quitté ça déjà. Le peuple n'a pas raconté encore. Il n'a pas fait le pays. Je dis, il a construit. Je dis, nous venons à des belles systèmes pour lui. C'est l'argent. Parce que le contribuable international, il y a l'argent. Pour belle barre qu'on s'est construit, c'est pour le peuple là. Peuple à bouquet. Ou même je dis que il y a des gens qui ont chauffé tes tout. Pour bon menti, pour prendre la rue, pour venir dans sac passa, dans vos roches, dans le caoutchouc, pour la police n'a arrêté, oui c'est jour. Parce que le loi n'a besoin c'est pour qu'on doit aller. Les gens qui vont un gros cob là qui vont dire mon air, là j'en ai poché. Ressaisis-vous parce que je dis à son pays nous vient pour nous construire. Son pays nous vient pour mettre lumière là-dedans. Son pays nous vient pour mettre gros pour nous boire, gros pour nous jardin, gros pour nous faire industrie. Son pays nous vient pour nous construire route là-dedans. Son pays nous vient pour nous construire campus universitaire dans la région. Son pays nous vient pour nous construire lycée d'excellence, même gens, ça va le fait. Non, non. Premier lycée d'excellence, songez, c'est ça que je me dis, dans la campagne. Je me dis, c'est pas possible pour un petit monde. L'elfine fait 6e année,
La permet 9 écoles qui sont contre Kabib qui nous mènent aujourd'hui avec Taïwan, que publiquement remercier, nous jouons, nous montons un programme avec eux pour 28 millions de dollars pour nous construire le premier lycée d'excellence dans le pays, pour que tout le monde soit capable, tout le monde soit doué, pour ne pas quitter dans la rue encore, pour nous donner un côté pour entrer. Et capacité lycée, ça, la bien capacité pour prendre 750 tout le monde. Et nos concours pour que tout le monde soit meilleur. Et lycée, ça, son lycée complet, elle a des 28 millions de dollars, ça veut dire la bien. La bien internat, tout le monde dit là, il y a manger, il y a dormir, il y a bien côté pour faire sport. S'il y a l'air qui veut lycée, ça, c'est pour parler plusieurs langues couramment pour aller à l'université. C'est ça. Si nous devons construire une société dans 20 ans, dans 30 ans, c'est qu'on y a pour nous commencer à prendre le monde en charge. Et c'est limité dans la campagne électorale. Nous ne pouvons pas bien construire plusieurs, mais ça, non, nous avons commencé. Et nous devons dire, même si nous n'avons pas de cap, on lycée comme ça dans chaque département, mais au moins il y en a un grand nord, il y en a un grand sud, il y en a un grand ouest. Nous avons trois gros lycées comme ça. Pour que les meilleures têtes de ce pays, nous allons regarder dans la rue avec un poil dans le cap sur les machines. Parce que nous avons des moyens pour faire éducation. C'est voir l'État ça. Voir l'État, c'est accompagner les gens qui sont plus faibles. Et c'est pour ça, la bataille de maintenant est plus difficile aujourd'hui. Pourquoi vous comprenez? Mais. Je vous garantis, vous-même qui appelez à diriger le pays, suspendre le combat. Parce que nous combattons l'autre. Nous allons faire une bataille contre l'autre. Nous bataillons pour l'autre. Pour nous faire une génération d'avenir. Si à profiter de ça que nous baillons. Suspendre notre fermenti. Faut nous travailler pour que le pluralisme politique, la démocratie, elle bougeonne dans le pays. Pour qui ça, le monde, nous monte président, chaque jour, c'est pour qu'on complot qu'a fait pour le jeter comme président. Ça veut dire. Mon nom a été quitté le 25 comme président. Ou même qu'on y a la élection tout. Pour venir 25 ans tout. Moi-même, Walpam, quand je suis président, je ne sais pas qu'on a quitté quand l'absolu. Walpam, je dis à l'expérience ma paix, c'est pour qu'elle balle. Accompagne elle. Pour qu'elle fasse un bon 5 ans. Pour qu'elle montre elle, tout piège une devant la donne, pour ne pas prendre la donne. C'est ça lui. C'est Walpao, soit peut-être politique, ou pas là pour combattre notre monde qui a fait politique. Politique, il est là pour servir le monde. Il est là pour travailler, pour bien-être la population. C'est pour ça qu'on choisit pour faire politique. Ou pas qu'on choisit pour faire politique, ni pour venir riche, ni pour faire mon vie riche. Ou là pour faire politique, pour travailler pour le bien-être collectif. Et c'est pour ça qu'on travaille. Nous disons tout frère, somme, qui est en opposition, ressaisis-nous. Parce que monsieur Sao, côté Oshita, il y a bon divin, il y a bon corps bon ouan. Mais il y a la vie garantie pour 100 ans. Parce que il y a 200 ans depuis à pied pays. Ça veut dire que ça, il y a une caisse là, il n'est pas fini demain matin. Ben nous avons garantie. Et les mauvaises habitudes, on a vu dur. Ça veut dire fuck dans l'État, même si nous prenons décision pour mettre sous pied l'Agence nationale d'intelligence, fort, nous commençons à suivre les vacabons dans le pays. Pour nous commencer à dire, on est glé, l'argent gratté, c'est ça qui passe à travers pour nous mettre poids gratté d'ailleurs. Vous avez dit pour la justice, moi je mets tout mon côté. Parce que là, il y a un cob. Cob là, c'est soit faire business soit avec elle, ou nous mettons l'autre côté. Nous n'avons pas qu'à prendre pour déstabiliser le pays. L'argent pour déstabiliser le pays, ça c'est terroriste. Ça veut dire nous-mêmes, nous disons, depuis que nous disons, l'or va aller, n'a pas vu. Et chaque monde qui a un cob qui gratte, c'est dans la rue, on met elle, n'a pas vu sous. N'a pris des sous quand même, parce que aujourd'hui, nous commençons à suivre un pile de dans le pays. Pour nous comprendre que aujourd'hui, sortez qu'on fait en 2017, 2018, 2019, là, 2020, 2021, ou pas qu'à faire. Parce qu'on a suivi eux. Pour une fois qu'on a que l'argent, on a le gâteau, cherchons Jean, Alba Elino, Ophelina, Alba El Koboua, dans l'école, fait cadeau dans l'université privée. Mais si c'est la rue, ou pas le mettre, n'a pas mettre l'autre côté. Pour comme ça gâteau là, pour nous faire gratter contre. Sa fête avec sénateur qui était convoqué. Ça fait partie de fonctionnement régulier, Sénat. Le bureau en place, gagner des initiatives qu'on prend, gagner tout un dispositif pour mettre en place, un dispositif stratégique, politique. Pour capable atteindre l'objectif. Je ne veux dire, nous en droit pour nous annoncer que nous allons aller inévitablement vers un dialogue. Il était impératif pour que moi joigne le OK des sénateurs pour la poursuite du processus. Nous estimons
que dans le contexte actuel, la meilleure façon d'approcher, d'appréhender certains problèmes, c'est de mettre moun, et créer conditions pour mettre moun chita. Mettre moun parler. Mettre moun discuter. Mettre position par un bord, mettre position par l'autre là, un bord, et arriver à ce juste équilibre nécessaire pour le fonctionnement normal de notre pays. Le Sénat inscrit en médiateur pour lui, et m'a continué à dire, rapprocher les pôles contraires. Je dis bien, rapprocher les pôles contraires. Pour nous capables d'essayer, mettre exécutif Chita ensemble avec opposition, opposition modérée, tant qu'opposition dure, m'a dit radicale, opposition dure, parce que opposition dure ou bien opposition modérée, il y a une position eux-mêmes. Il y a une position par rapport à un ensemble de situations, un ensemble de bagailles, tant qu'une élection, tant qu'un conseil électoral, tant qu'un mandat, tant qu'une insécurité, tant qu'un massacre à la Saline, tant qu'un pétro-caribé, tant qu'un pile de bagailles. Question, ça va débattre pour débattre. De toute façon, une solution à tout, parce que la nation a continué à vivre, le pays a continué à vivre, haïtiens ont continué à vivre. Alors voilà, en gros, ça nous capable de dire aujourd'hui à nous qu'on rencontre, on échange, qu'on me considère comme foutu. Et c'était l'occasion pour te informer les honorables sénateurs des avancées que moi, en tant que président, que m'a fait, parce que je n'ai pas un mandat pour me parler pour tête, moi. J'ai un mandat pour me parler pour sénateur, yo. Dans le non-sénat, après ça, pour me venir rapporter, yo. Après ça, pour me corriger KM, pour me mettre en état, pour me continuer à parler, continuer à dire. Voilà. Et merci avec tout le monde qui t'est branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.